Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur Copa America Tour. D'abord je tenais à dire merci aux chaînes communautaires qui m'ont upload ou qui vont me upload, merci aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, à vous abonner pour me suivre à ma chaîne YouTube, à mon Twitter. Et tout de suite on va partir avec cette équipe les gars. Donc voilà l'équipe du Pérou. Donc j'ai fait une équipe du Pérou. Je sais plus si on me l'a dit dans les commentaires. Mais là, dans cette vidéo, en bas, je vais mettre deux équipes dans les commentaires. Vous avez juste à liker les deux commentaires. Et celui qui a le plus de likes sera pris dans la prochaine vidéo. Donc voilà une petite équipe du Pérou avec 3 IMOTM. On a Pizarro. Lui, il joue au Bayern. Avant, il était fort. On a Cueva. C'est triple IMOTM lui. On a Advincula, bon joueur quand même, il a des bonnes stats. Donc je les ai pas essayés parce que hier on pouvait pas jouer à FIFA, c'était impossible de jouer, je sais pas pourquoi. Donc lui j'ai pas pris le boost parce que hier je voulais l'acheter mais il y en avait que deux, il était à 30 000 crédits, j'avais pas envie de mettre 30 000 crédits dans lui. Donc voilà, il y a que le goal qui est pas péruvien parce que bah, au moment où j'ai cherché il y avait pas de goal péruvien, après je crois qu'il y en a pas. Donc j'ai mis un lien avec lui, donc tout le monde a le collectif, bon, sauf lui. Mais je crois que si j'ai bien compris avec un glitch, du coup maintenant il a 9 de collectif, je crois, j'ai pas bien compris. Donc allez les gars, on se retrouve dès que j'ai trouvé un adversaire. Eh bah putain, on a mis 3 heures à trouver un match, et encore j'ai dû prendre un mec avec 5 étoiles, voilà. Ça m'avait gonflé, j'ai pris le premier mec qui avait un peu de... que je pouvais jouer, parce que il y avait que des équipes avec une barre, enfin une barre de connexion, et je fais c'est bon. Même si elle a 5 étoiles, j'ai quand même joué, je m'en fous. Ça ne veut rien dire. Allez les gars, on part pour le match. On se retrouve pour les meilleurs moments. Allez, Cario. Hop, et boum. Oh l'arrêt, c'est pas fini. Oh, c'est pas fini. Mais là, putain, ça l'a pas sélectionné. Allez. Allez, boum. Ah, le poteau. Boum. Et oui les gars, 1-0. C'est qui a marqué? Ah, c'est le milieu gauche sur Tado, les gars. Voilà, et oui, quand même, oh, la barre, tout ça, oh, c'est pas... Il y en a marre, là, 1-0, les gars, allez. Oh, non, oui, le gardien! Oh là là, oh là. Pas tout faire, le gardien, non plus. Hein. Là, là, mais bon. C'était la frappe, je trouve, la moins dangereuse, et elle rentre. Il était quand même excentré, il était excentré, ouais. Bon, après, c'est check and do, le géant sénégalais, les gars, de 1. Allez, boum! Ah, le poteau encore! Oh putain! Oh poteau, barre, y'en a marre là-haut! On va tirer. Oui, le gardien. Non, non, non! Mais non! Hors-jeu, fils de. Bon, les gars, il y a prolongation. Je crois qu'il entraîne. Ouais, c'est ça. Il est en train de m'éclater. Mais bon, il y a prolongation. On a du cul. Allez, c'est parti. Voilà les gars, la prolongation est terminée, on s'est fait éclater de long en large. Donc 4 à 1. Voilà les stats, ouais, on s'est fait déchirer, on va se retrouver pour l'équipe. Voilà l'équipe du Pérou les gars, c'est fait. Donc il nous reste quelques équipes à faire encore. La Copa América est finie, vous avez vu c'est le Chili qui a gagné. Messi a dit qu'il voulait arrêter sa carrière internationale. Donc on va voir si c'est vrai ou pas. En tout cas, l'équipe du Pérou est faite. Donc je vous dis dans les commentaires, je vais vous mettre deux équipes. Vous mettez un j'aime sur le commentaire et on voit laquelle a le plus de votes pour la prochaine vidéo les gars. C'était un peu tout pour cette vidéo. Si t'as aimé cette vidéo, like là, pour me suivre, abonne-toi à ma chaîne YouTube et à mon Twitter, et à la prochaine les gars, ciao.